Bonjour tout le monde, ici Kefren Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre Internet et votre vitesse d'Internet sur Windows 11. Mon son sonne un petit peu différent parce que je suis sur un autre PC aussi dans un autre environnement. Donc, on va regarder ça ensemble. Prendre des choses, avant même de commencer, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur pour être sûr que vous êtes vraiment sur un ordinateur qui vient de redémarrer, qu'il n'y a pas des trucs qui roulent depuis genre 2, 3, 4 mois. Et voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire La première des choses, on fait un CTRL DELITE. On s'en va dans le Task Manager. On va aller dans la section Startup. Et ici j'aimerais que tous les programmes que vous n'utilisez pas vous euh, les mettez en fait en disable dès le début Donc euh, que ce soit justement Skype, MS, MSI Center, tous des trucs que vous n'avez pas besoin, on les enlève complètement parce que ça c'est des trucs qui en fait chaque fois que vous allez redémarrer votre ordinateur vont être euh, allumés, ils vont prendre du jus sur votre ordinateur et des fois il y en a qui sont toujours connectés à des serveurs donc qui vont charger des données internet, ce qui peut affecter vos performances. Une autre chose que je vous recommande, c'est d'aller dans la recherche, écrivez Settings. Par la suite, aller dans les applications, dans l'endroit où vous avez toutes les applications. Et si on scroll ici, comme vous pouvez voir, on a toutes les applications en ce moment qui sont installées sur l'ordinateur. Exemple, euh, tous les, les, les programmes que vous savez que vous n'utilisez pas beaucoup, genre, je ne sais pas moi, le mail et le calendrier, vous pouvez cliquer ici, les trois petits points allez dans la section Avancée. Et vous allez avoir une section qui va s'appeler euh, Background App Permission. Est-ce qu'on laisse l'application la, finalement rouler en arrière, euh, même si on ne l'utilise pas Vous pouvez complètement l'enlever. Euh, euh, donc, mettez-la à Never. Et là, l'application ne va plus fonctionner euh, en arrière. Donc, il ne prendra plus de jus, que ce soit premièrement des ressources de votre ordinateur ou même des ressources de votre Internet. Une fois que ça c'est fait. Euh, on va aller tester la vitesse en premier de votre internet pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va aller sur speedtest.net. En gros, vous avez juste à appuyer sur Go. Et là, vous allez avoir un test, euh, je vous dirais, internet qui va partir. Vous allez avoir votre ping, votre téléchargement, ainsi que votre upload. Et avec ça, c'est vraiment ça qui va vous permettre de savoir en gros euh, c'est quoi la vitesse de votre ordinateur. Euh, que ce soit en téléchargement ou aussi en envoyant en upload. Et puis, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des, des, du Wi-Fi euh, en filaire, etc. Donc, ça vous permet de savoir, est-ce que vous allez améliorer votre Internet après tous les changements? Donc, celui-ci est présentement en train de rouler. C'est un peu plus long sur, sur cet ordinateur-là. Il utilise un Wi-Fi et est quand même loin de, du, du routeur. Donc voilà, j'ai mon résultat ici, 68 en téléchargement, 13 de ping et 40 en upload. Donc, une fois que ça c'est fait, on va maintenant euh, regarder tout ce qui est bande passante sur Windows et comment limiter celle-ci euh, avec Windows. Donc, on va aller dans euh, Recherche encore, Settings. On va aller dans les Mises à jour Windows, Paramètres avancés. Et dans Paramètres avancés, on va aller dans Delivery Optimization. On clique dessus. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais mentionner que je stream aussi sur Twitch deux à trois fois par semaine, sur twitch.tv slash KefrenTV. Donc, euh, si vous voulez me poser des questions, que ce soit concernant votre ordinateur, sur des jeux, des optimisations, ou juste me voir faire du gameplay, venez me voir sur TV sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch pour savoir aussi lorsque je suis en ligne. Ça va me faire un plaisir de vous voir et de vous répondre. Maintenant, on continue avec la vidéo. Donc, une fois euh, que vous êtes dans Delivery Optimisation, la première chose que je vous dirais de désactiver, c'est ici. Là, le Halo Download from Other PC. En gros, c'est Windows qui, serve, qui se sort de votre ordinateur comme serveur pour envoyer des mises à jour euh, partielles ou peu importe à d'autres utilisateurs. Donc, vous allez envoyer du contenu, donc votre upload va rouler. Euh, si vous êtes un streamer puis vous n'avez pas beaucoup d'upload, c'est quelque chose qui peut vous faire honnêtement laguer lorsque vous streamez. Donc, fortement recommandé pour tout le monde. Mettez ça ici à off. Par la suite, euh, on va aller dans les paramètres avancés. Ici, il y a un moyen de limiter votre, euh, votre téléchargement et aussi le upload si vous l'avez laissé à on. Vous avez deux euh, moyens. Vous l'avez euh, si vous voulez écrire un chiffre direct, donc un nombre de Mbps précis. Moi, je vous recommande le pourcentage. On va y aller avec le premier. Le deuxième, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est lorsque vous voulez vraiment faire vos uploads. Vous voulez une bonne vitesse pour celui-ci. Mais ça, c'est vraiment euh, lorsque votre ordinateur en background va télécharger des, des, des mises à jour. Je vous conseille d'y aller avec quelque chose comme 20%. Donc, euh, c'est parce que vous n'allez pas être pressé. Vous êtes en train de faire d'autres choses en arrière. Windows est en train de faire une mise à jour. Vous lui donnez juste 20% de votre vitesse. Et puis, ça se fait bien. Par contre. Euh, pour le foreground, donc ça, c'est vraiment si vous-même, vous voulez faire une mise à jour de vos updates parce que vous les voulez maintenant, là, dans ce cas-ci, vous pouvez laisser ça à 90%. Il n'y a aucun problème. Ça va être très rapide et puis vos mises à jour vont être faites. Le upload, je ne recommande pas nécessairement du toucher si vous avez déjà désactivé l'option Upload plus tôt. Euh, si vous voulez laisser votre ordinateur euh, uploader des mises à jour aux autres utilisateurs, je pense que 50%, ça peut être quelque chose de bien. Si vous êtes un streamer, je le recommande fortement de ne pas faire ça. Par la suite, on va aller dans Network et Internet. Dans cette petite section ici, euh, on va aller maintenant. Euh, ça, ça fonctionne en fait selon votre connexion. Donc, qu'est-ce qu'on veut C'est désactiver le Meter Connection. Euh, Celui-ci est activé par défaut sur le Wi-Fi ou si vous êtes branché Ethernet. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait On clique sur le Wi-Fi. On s'en va dans Propriété ici. Et assurez-vous que votre Meter Connection ici est à off. Euh, ça c'est quelque chose qui, qui en fait que différentes applications sur votre ordinateur peut utiliser le data pour envoyer de l'information euh, de, de vous ou peu importe à, à d'autres personnes. Donc euh, fortement recommandé de le désactiver. Vous pouvez faire la même chose si vous êtes branché avec un fil, donc on s'en va dans Ethernet, et puis c'est la même chose. Meter connection ici, assurez-vous que celui-ci est à off. Dernière option que je recommande pour optimiser votre Internet, c'est de changer vos DNS. Là, celui-ci, ça va vraiment dépendre de votre emplacement. Ce n'est pas, pas tout le monde qui a le meilleur DNS euh, possible avec un Cloudflare ou avec un Google Public DNS. Euh, donc, euh, c'est les deux que je recommande. Faites des tests pour voir si vous avez amélioré ou pas votre Internet. Moi, dans mon cas, Cloudflare, c'est vraiment le meilleur. Donc, comment on fait pour changer des DNS sur Cloudflare et enlever les DNS qui viennent avec votre fournisseur Internet? Vous cliquez sur votre connexion, donc dans mon cas, c'est le Wi-Fi. Si vous êtes sur Internet, avec un fil retourné sur Internet, vous allez avoir une, une section ici qui s'appelle DNS Server Assignment. On clique Edit et on s'en va mettre ici, manuel, IPv4, on met On. Donc, le DNS qu'on veut utiliser, c'est 1.1.1.1. Et le DNS alternate, ça c'est en gros, si le premier DNS, il y a des problèmes avec, vous pouvez avoir une solution B qui va s'assurer que vous avez un DNS qui fonctionne. On va mettre 1.0.0.1. Donc dans, dans ce cas-ci, on sauvegarde. Et voilà, là maintenant, on a des DNS euh, qui sont activés pour notre Wi-Fi, euh, qui sont beaucoup plus performants que les DNS qui, va, qui viennent finalement avec votre fournisseur Internet. Donc, c'est pas mal tout pour mon vidéo d'optimisation d'Internet sur Windows 11. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de cette vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tout le monde. Peace.